vas te lever dans la présence de Dieu. Tu vas lever les mains vers le ciel. Tu vas commencer à dire à Dieu ce que tu n'as jamais dit. Tu vas l'adorer. Tu vas lui présenter sa gloire. Tu vas lui dire qu'il est merveilleux. Tu vas lui dire qu'il n'y a pas son semblable. Tu vas lui dire qu'il est égal à lui-même, il est semblable à lui-même. Tu vas lui dire qu'il est le rocher des âges, le torrent des temps anciens. Tu vas lui dire qu'il est l'ancien des jours, le bel Ashkaïroï. Tu vas élever ton Dieu. Tu vas le glorifier. Tu vas lui rendre hommage pour la vie qu'il t'a donnée. Pour la grâce qui te fait de vivre et de vivre, de compter les jours. Il t'a gardé pendant que d'autres sont tombés. Il t'a protégé pendant que d'autres sont tombés malades. Il t'a nourri pendant que d'autres avaient faim. Il t'a loti. Il t'a blanchi. Il t'a justifié. Il ne t'a pas abandonné. Il a été fidèle. Il a été réel avec toi. Oh, Shawe Masita, commence à le glorifier. Commence à le glorifier. Commence à le glorifier. Moi, je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Moi je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Moi je sais que tu es là. Commence à le bénir. Que tu es là. Seigneur, nous voulons te glorifier. Éternel. Nous te rendons honneur. Nous te rendons gloire. Merci pour la présence des anges. Que tu es là. Les anges. Éternel. Qui envahissent à ces lieux. Que tu es là. Les anges. Qui remplissent cet espace. Merci. Éternel. Parce que le ciel. Elle est brillée par ta puissance. L'atmosphère change. Nous cédons l'atmosphère à ton esprit. Nous cédons la place à ton autorité. Et nous demandons ta toute puissance. Ton arrête, ton autorité, ta force, ta divinité, ta suprématie, ta prépondérance, ta primauté, ta rééminence, ta prédomination. Nous t'offrons, Seigneur, nous te glorifions, nous t'honorons, nous te salutions, nous t'honorons, nous t'offensionnons, nous t'acclamons, Jésus. Mon âme te bénit, moi je sais que tu es là. Commence à le bénir, je ne sens pas ta prière. Commence à adorer ton Dieu, commence à l'adorer, commence à l'adorer. Il a besoin de ton temps, il a besoin de tes prières, il a besoin de tes supplications, il a besoin que tu reconnaisses sa puissance. Il est puissant, il est puissant, il est puissant, il est puissant, il est puissant. Tu es là, Elohim, je sais que tu es là. Tu nous as toujours gardé, je sais que tu nous as jamais abandonné. Même dans nos faiblesses, même dans nos erreurs, tu nous as toujours justifiés. Quand Satan nous triblait, quand Satan nous acculait, quand Satan s'acharnait, tu as toujours été notre avocat, tu as toujours été notre juge, tu as toujours été là pour défendre notre cause, tu as toujours été notre bouclier, tu ne nous as jamais abandonné, jamais tu nous as abandonné. Tu es resté fidèle à tes enfants, tu es resté fidèle, tant bien que nous restons infidèles, tu demeures fidèle. Quand nous sommes justes, tu demeures juste. Quand nous sommes faibles, tu demeures fort. Oh Dieu, mon âme te bénit. Reçois la gloire, car je sais que tu es là. Et la gloire, tu es mon âme te bénit.
Levez les mains vers le ciel, nous accueillons la présence du Saint-Esprit. Oh. Nous accueillons la présence du Saint-Esprit. Nous accueillons la présence du Saint-Esprit. Oh God, bright and see. Longta kembosika. Tu m'as promis que tu seras là, Jésus. Tu m'as promis. Tu m'as promis que tu seras là. Tu m'as promis ta présence. Tu m'as promis ton esprit. Tu m'as dit que tes anges allaient remplir cette pièce. Tu m'as dit. Je veux te sentir ce soir. Je veux voir des signes, des indices, les marques de ta présence. Je veux sentir ton autorité. Des âmes guéries, des malades restaurés. Je veux voir le pauvre enrichi. Je veux voir des cœurs restaurés, consolés. Je veux voir ta puissance. Montre-toi ce soir. Quelle puissance, qu'est-ce qu'il est merveilleux. La salle est remplie par la puissance de Dieu. Oh, le Saint-Esprit est là. Dieu s'est choisi des hommes, il s'est choisi des femmes, il s'est choisi des personnes en qui il a investi des capacités. Dieu s'est choisi une race de personnes et tu en fais partie. Il s'est choisi des élites et tu en fais partie. Il s'est choisi des personnes de valeur, des personnes. Ah! Quelle puissance! God, bring the boat. Tu as dit, je veux prophétiser comme le prophète Yvan. Voici le temps que Dieu te présente. Tu prophétiseras. My God. Tu luttes avec la mort. Quand tu rêves, tu es toujours dans les cimetières. Toujours avec la mort, avec des personnes décédées. L'Esprit de Dieu te libère de la mort. Il te libère des chaînes de la mort. Il te libère. Sors des chaînes de la mort. Quelle puissance. Lokata Masia. Rochène de Bosikata. L'Esprit de Dieu est là. Les anges de Dieu sont là. Les anges de Dieu sont là. Son esprit est là. Aidez une femme qui lutte avec le Saint-Esprit. Dieu l'a choisi. Une femme, elle lutte avec l'Esprit de Dieu. Écoutez-moi bien, une femme, elle a la marque de Dieu, la marque. Dieu l'a choisi, Dieu l'appelle. Dieu t'a choisi, écoute, Dieu t'a choisi. Tu n'empêcheras pas Dieu de faire son travail. Ce qu'il a commencé en toi, il achèvera. Il rendra son œuvre parfaite. Il la rendra parfaite. Dieu rendra son œuvre parfaite en toi. Il rendra son œuvre parfaite. Parfaite, je dis parfaite. Mokatayama sete. La puissance de Dieu est là ce soir. Mokonta biachata. Longtemps combattu. Mosataraya. Quelle puissance. Béni sois-tu. Lève les mains vers le Saint-Esprit. Commence à le vivre. Vois-le. MCD. Vive le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il est bon. Dans ce silence, faites beaucoup attention. Parce qu'il aura un remue-ménage. Il y a des gens que vous ne pouvez plus contrôler. Parce que l'Esprit de Dieu est en train de descendre. L'Esprit descend. Vous ne voyez pas? Regardez, le ciel est ouvert. Je sens la présence des anges ascendant et descendant. Les anges qui envahissent et qui peuplent cette salle. Dieu est là. Il donne du feu. Il vous donne du feu. Regardez, le feu. Il vous donne du feu. Tes prières seront dynamiques. Tes prières seront fortes. Le diable reculera quand tu prieras. Personne ne t'empêchera. Et tout quand tu lèveras la voix, aucun démon ne résistera. Parce qu'il a mis dans ta bouche le feu. Il y a le feu. Le feu. Le feu. Le feu. God. Elles parleront en langue, ils prophétiseront, ils auront des valeurs, des capacités. Dieu vous a appelé à son œuvre. Pourquoi doutez-vous? Tu as l'appel, tu as la vie de Dieu. Tu es maintenu encore par le mariage. Tu veux te marier pendant que Dieu t'appelle. Tu cherches le mariage pendant qu'il a mis sur toi sa main. Écoute, la main de Dieu est là.
sur ta tige. Tu n'as jamais cru en cela. Dieu est proche de toi, plus proche que ton vêtement. Il est plus proche, il est plus proche. Je parle de quelqu'un qui a l'appel de Dieu sur sa vie, qui résiste avec le Saint-Esprit, qui résiste. Tu résistes. Qui t'a dit que tu t'as pas appelé, tu as l'appel. Tu résistes. Elle résiste, avec le Saint-Esprit. Mais Dieu est sur toi ce soir. Elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule. L'onction la contamine. Une onction contagieuse ce soir. L'onction contamine quelqu'un derrière. L'onction contamine. Aidez. Jesus. Il y a un feu qui monte. Honta Shekataya. Quelle puissance de Dieu. Quelle puissance. Rideaux in bright and red. Quelle présence. Quelle présence. Dieu veut restaurer son église. Oh Jésus, si tu savais tout le mal l'homme fait, mais moi je sais, tu es là. Tu ne m'as jamais abandonné. Tu ne m'as jamais rejeté. Tu ne m'as jamais délaissé. Mais moi je sais que tu es là. Là où tu as mal, pose la main. Si tu es malade, tu as un cancer, tu es stérile. Tu as une maladie dans tout le corps. Pose la main sur la tête. Tu es malade quelque part. Pose la main. Dieu te guérit ce soir. Dieu te guérit. Je prophétise la guérison à l'instant. Tout ce qui est maladie quitte vos corps. Maintenant, maladie, quitte au nom de Jésus-Christ. Dieu cible la maladie. Tu as mal à la tête, tu as mal au cœur, tu as des palpitations cardiaques. Je prophétise la guérison. Tu as une tension, tu es séropositive. Je prophétise la guérison. Peu importe le mal que tu as, je déclare la guérison. Béni sois-tu. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus qui est là? Dis à ton frère, Jésus est là. Déplace-toi, va saluer quelqu'un. Dis-lui, Jésus est là. Va saluer quelqu'un. Dis-lui, Jésus est là. Oh, dis-lui, Jésus est là. Tu vas baisser la tête. Tu vas prier. Tu vas demander à ce que Dieu vienne t'éduquer. Qui vienne te parler, qui vienne te donner sa présence et son esprit. Que Dieu soit là. Que Dieu soit là pour tout t'emmener à l'ordre. Dis-lui, tu veux entendre sa parole. La Bible dit qu'il envoya sa parole et sa parole est guérie. Il envoya sa parole et sa parole est guérie. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Prie le Seigneur. Demande à ce que Dieu te parle. Prie le Seigneur. Soumets ton intelligence à la puissance de la parole. Soumets ton cœur à la puissance de la parole. Dis à Dieu de venir te parler, de venir te restaurer. Dis à Dieu de descendre dans sa plénitude. Dis-lui que tu as besoin de l'entendre. Que tu es là pour lui. Tu es là pour l'entendre. Dis à Dieu de détruire en toi la culpabilité. De détruire en toi le doute. Et qu'il vienne te parler. Seigneur, je veux te rendre grâce. Je veux glorifier ton nom. Je te rends tout honneur. Ta parole est vie. Elle est esprit. Je demande à ce que celle-ci vienne rétablir
l'ordre de nos cœurs, dans nos cœurs. Et que ta puissance soit prêchée, ta parole soit révélée dans toute exactitude. Et je prophétise, Seigneur, que ton esprit accompagne la parole prêchée. Car la Bible dit que ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur la démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi ne repose pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Père, épargne-moi des discours persuasifs, mais que la puissance de Dieu s'exprime, l'autorité, la vie de Dieu, la vie, la marque de l'appartenance divine, que tu révèles ta parole en toute profondeur, en toute exactitude, pour mener le cœur à la connaissance de la vérité, et que les cœurs en soient illuminés. Ouvre les oreilles de nos entendements. Ouvre nos yeux afin de pouvoir sonder les merveilles de ta loi. Détourne nos regards de la vie des choses vaines. Fais-nous contempler la profondeur de ta parole. Car je crois en un seul Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, en un seul Seigneur, Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles, Dieu né de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu du vrai Dieu, qui n'a pas été fait mais engendré, qui est de même substance que le Père et par qui toutes choses ont été créées. Pour nous hommes et pour notre salut, il est descendu des cieux, s'est incarné en la Vierge Marie. Il est mort, a été ressuscité le troisième jour conformément aux Écritures. Il est assis à la droite du Père, devant qui les anges, les archanges, les séraphins, les trônes, les vertus, les éclats, les lumières, les principautés, les dominations, les 24 vieillards, les 4 êtres vivants se prosternent et disent saint, saint, saint. Reconnaissant ta primauté, reconnaissant ta prépondérance, reconnaissant ta prédomination, reconnaissant ta prééminence, reconnaissant ta prédomination, tu as le co-égal, le co-éternel et le co-existant. Nul n'est comme toi, nul n'est semblable à toi. Tu nous as fait partager ton héritage. Que la gloire te revienne, Jésus. Je demande à ce que la présence des anges en soit remarquée et que l'Esprit de Dieu investisse nos cœurs. Pour la seule gloire de ton nom, j'ai prié. Amen. Acclame le Seigneur. Je pensais que tu allais te lever pour l'acclamer. Alléluia. Dis amen. Que Dieu nous sommes dans la parole. Nous allons prendre la Bible dans le livre de Juges, le chapitre 16. Le thème que je veux prêcher, je l'ai intitulé « Un champion inattendu ». Jésus, tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré. Juge le chapitre 16. Allons-y. Il est écrit: Samson parti pour Gaza. Samson parti pour Gaza. Il vit une femme prostituée. Il vit une femme prostituée. Et il entra chez elle. Et il entra chez elle. Point. On dit aux gens de Gaza. On dit aux gens de Gaza. Samson est arrivé ici. Samson est arrivé ici. Et ils l'environnèrent. Et ils l'environnèrent. Et c'était en embuscade. Toute la nuit. Toute la nuit. À la porte de la ville. À la porte de la ville. Il restait tranquille. Il restait tranquille. Toute la nuit. Toute la nuit. 10 ans. 10 ans. Au point du jour. Au point du jour. Nous le tuerons. Mais ça veut dire, Inch'Allah, nous le tuerons. Samson demeura couché. Samson demeura couché. Jusqu'à minuit. Jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva. Il se leva. Et il saisit les bâtons. Il saisit les bâtons de la porte. De la ville. De la ville. Et les deux poteaux. Et les deux poteaux. Et les deux poteaux. Les arracha. Avec les barres. Les mit sur ses épaules.
et les porta sur le sommet de la et montagne. Et les porta sur le sommet de la montagne. Qui est en face de qui est en face des bons. Acclame le Seigneur pour sa parole. Alléluia. Un champion inattendu. Dis à ton frère, un champion inattendu. Qui me dit amen? Non, je n'entends pas. Dis un champion inattendu. Quand vous lisez ce passage, vous verrez avec moi l'histoire de Samson. Samson qui veut dire petit soleil. Dis amen. Samson est né miraculeusement. La naissance de Samson était une naissance miraculeuse. Quand vous lisez bien, son père, Manoah, était dans les champs. On n'a pas dit le nom de sa mère. Ils ont dit le père parce qu'il était le responsable de la naissance. La Bible dit que le père, Manoah, était dans les champs, était dans son champ. Pendant qu'il labourait sa terre, sa femme était de l'autre côté du champ. Elle reçoit une théophanie. Elle reçoit une apparition physique. Elle reçoit la représentation typique d'un corps angélique. Elle reçoit automatiquement une vision. Et dans cette vision, elle voit un ange qui lui dit, femme, tu mettras au monde un fils. Et ce fils aura des capacités exceptionnelles. Il ne sera pas comme les autres enfants du quartier qui se promènent. Mais lui, il aura une capacité exceptionnelle. Il aura cette tresse. Cet enfant va délivrer. Il commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Automatiquement, quand la femme reçoit l'ordre de mission de la semence qu'elle allait porter, elle se met automatiquement dans les dispositions pour amener la parole qui a été dite en matérialisation. Qu'est-ce qu'elle fait? La Bible dit qu'elle part annoncer cela à son mari. Elle dit à son mari, chéri, j'étais de l'autre côté, toi tu étais de l'autre côté. J'ai reçu l'apparition d'un ange. Il m'a dit que je serai enceinte. C'est vrai, on cherche un enfant. Mais il m'a dit, j'ai avoir un enfant. Mais cet enfant, là, il sera particulier. Il viendra simplement de Dieu. Parce que quand il serait enceinte, je ne dois pas boire la liqueur, ni aucune boisson forte. Parce que l'enfant est consacré. Lorsqu'il va naître, il aura cette tresse. Ce qui marquera son alliance. Ce qui marquera son appartenance. Ce qui marquera sa qualité. Ce qui marquera les signes de l'appartenance divine. Ce qui marquera qu'il n'est pas de nature à ceux qui sont autour de lui. Mais il a une capacité particulière. Cet enfant naîtra, mais il aura une capacité exceptionnelle. Lorsqu'elle donne le trajet ou la trajectoire de la naissance de Samson à son mari se met dans les conditions. Il cherche aussi à rencontrer l'ange qui a parlé à sa femme. Alors ils vont sur le terrain de la rencontre. La Bible dit qu'arrivé sur le terrain de la rencontre, il croise l'ange. Il commence à dialoguer. Tu as parlé de telle et telle manière, ma femme. C'est comment? La Bible déclare que l'ange confirme la parole au père de Samson. Le père de Samson demande à l'ange, donne-moi ton nom. Vous savez, les anges ne donnent jamais leur nom. Sinon, il peut te tromper, il va te dire, il s'appelle Zoku, tu avais quoi? Qui me dit amen? Et l'ange dit, mon nom est merveilleux. Et la Bible déclare, l'ange ne pouvait pas partir sans un checkpoint. C'est qu'on appelle le checkpoint qui est le point de contrôle. Il a demandé une offrande dans laquelle il allait monter dans la fumée. Lorsque l'offrande a été faite, l'ange monte dans la fumée. Quelques temps après, la naissance prédite rentre en vigueur. L'enfant naît, mais il a une force exceptionnelle. Si Samson était de notre temps, il allait être le meilleur homme olympique. Parce que Samson a toutes les capacités d'un garde du corps. Samson peut même défendre toute une nation avec ses muscles. Samson avait une onction tout à fait particulière. La Bible déclare qu'il était l'ennemi juré des Philistins. De la même manière que la Palestine a Israël. C'est comme ça on haïssait Samson. Dis amen. Je vais venir à mon message. Dis un champion inattendu. La naissance de Samson est toute une histoire. Les grands hommes ne naissent pas facilement. Les grands hommes n'apparaissent pas comme ça. C'est toute une histoire. Autour de ta vie, il y a une histoire. Ta naissance n'est pas simple. Même si tu es né normalement, naturellement, autour de toi, il y a une histoire.
Ta naissance même dans ta destinée est une histoire. Pour que tu commences à éclore de façon prophétique, il y a toute une histoire. La Bible dit, un jour Samson va dans le camp de ses ennemis. La Bible déclare qu'il, quand il arrive dans le camp de ses ennemis, il ne sait pas qui a informé les gens de Gaza. Mais il faut savoir que dans ta vie, il y aura toujours des papatos. Hein? Amen. Ça existe. La Bible dit qu'on informa aux gens de Gaza. On dit, hey, votre ennemi là, est ici, dans votre camp même. L'ennemi que vous cherchez là, c'est là qu'il est. Qui essaie de voir? Je vais ouvrir un peu ton esprit. Votre ennemi est dans votre maison. Votre ennemi est dans vos narines. Votre ennemi, il est près de vous. La Bible déclare que les gens de Gaza ont commencé à se mobiliser par troupes. Ils sont mis dans le tapis dans l'ombre, en embuscade, parce qu'ils s'attendaient à ce qu'ils se lèvent le lendemain matin pour le tuer. Ils ont dit, nous on l'attend ici. Au point du jour, nous le tuerons. Samson, on t'attend. Finis ton plaisir sexuel, mais on t'attend. Au point du jour, nous le tuerons. La Bible dit, Samson dormit jusqu'à minuit. Il n'a même pas, il ne s'est pas levé au point du jour. Parce que le point du jour, c'est 4h du matin. Minuit, c'est le milieu de la nuit. Qui me dit amen? Au point du jour, nous le tuerons. La Bible déclare que les gens étaient tapis dans l'ombre. Ils attendaient qu'il se lève. Mais il ne s'est pas levé au point du jour. Il s'est levé à minuit. Je dis à quelqu'un ce matin, écoute-moi bien. La Bible dit que Samson ne s'est pas levé le matin. Il s'est levé à minuit. Ils ont vu Samson où? Chez les prostituées. Or, en réalité, Samson était un Nazirien. Dans la loi du Naziréa, il n'avait pas droit à approcher une prostituée. Ce qui marque que Samson était dans la faiblesse. Dans la faiblesse, ils avaient commencé à fomenter un plan pour le déstabiliser. Ils ont vu qu'il était faible. Il est tombé avec une prostituée. Il est tombé dans le péché. Il est tombé dans l'erreur. Il est tombé dans le manquement. Il est tombé dans quelque chose que Dieu te plaît. La Bible déclare qu'ils ont utilisé, exploité. Ils ont commencé à regarder, sculpter le moment où Samson est tombé. Mais écoutez-moi bien, il est tombé, mais Dieu n'a pas abandonné Samson. La Bible déclare qu'au point du jour, nous le tuerons. Mais écoutez-moi bien. La Bible déclare que Samson s'est réveillé à minuit. J'ai lu dans ma Bible, il y a eu deux minuits. Il y a eu deux minuits dans la Bible. À minuit, Etychis est tombé du troisième étage, il est mort. Dis amen. Mais à minuit, Samson qui était tombé dans le péché s'est relevé. Je ne sais pas ce que tu vis. Il y a d'autres qui ont connu les mêmes situations, mais tu ne connaîtras pas la même fin. C'est vrai qu'ils ont eu les mêmes problèmes, mais tu ne termineras pas comme ils ont terminé. C'est vrai que tu as eu les mêmes situations, mais ta fin ne sera pas pareille. Parce que Dieu te réveille une destinée qui n'est pas conforme à celle de ton voisin. La Bible déclare qu'à minuit, Samson se réveilla. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un. Tes ennemis t'ont attendu dans la faiblesse, mais tu te réveilleras dans la force. Ils t'ont attendu dans la mort, mais tu te réveilleras dans la vie. Ils t'ont attendu dans le célibat, tu te réveilleras dans le mariage. Ils t'ont attendu dans la pauvreté, tu te réveilleras dans la richesse. Ils t'ont attendu dans la maladie, tu te réveilleras dans la guérison. Ils t'ont attendu dans le chômage, tu te réveilleras dans le travail. Ils t'ont attendu pensant que tu allais mourir dans cette situation, mais tu t'es réveillé. Je vois des gens qui vont se réveiller ce matin. Dis à ton voisin, je me réveille. Les gens ont cru que tu n'allais jamais réussir. Ils ont fait le projet. Cela ne réussira jamais. Mais je me suis réveillé. Qui me dit amen? Non, il y a poche. Poche, là, c'est ici. Tu connais pas. Amen. La Bible déclare que les gens avaient tout projeté dans le but de le déstabiliser. Mais Samson s'est réveillé.
Je ne sais pas ce qu'on a dit dans ta famille. On a dit que vous n'allez jamais réussir. On a dit que vous n'allez jamais percer. On a dit qu'elle ne se mariera jamais. On a dit qu'il ne percera jamais. On a dit qu'il ne travaillera jamais. Il viendra en France, mais n'aura jamais de papier. Mais tu te réveilles ce matin au nom de... Attendu le jour, réveillé la nuit. Les gens ont cru que la Côte d'Ivoire va rester pareille. Mais regardez un peu. On va se réveiller. 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 Au nom de... Attendu le jour. On dit au point du jour. Écoute, l'ennemi a son programme. Il a établi un projet. Mais tu ne rentreras pas dans le projet. Tu vas anticiper. Je vois des mariages anticipés, je n'étais pas vu te lever. Je vois des mariages anticipés ce soir. Ça c'est un mariage anticipé. On dit qu'elle ne va jamais percer. Elle ne va jamais se marier. Elle est mariée, mais elle n'est pas mariée. Même si Samson venait le jour, il n'allait pas mourir. Tu sais pourquoi? Le nom de Samson veut dire soleil. Oh, le soleil, c'est le jour. Le jour ne tue pas le jour. Le jour aime le jour et le jour frotte le jour. Même dans le projet de l'ennemi, tu réussiras. Les gens ont cru que tu n'allais jamais percer, mais tu réussiras. Ils ont cru que tu n'allais jamais te marier, mais tu réussiras. Ils ont cru que tu allais rester pareil, mais tu les surprendras au nom de... Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? On dit au point du jour, celle-là, on la tuera. Au point du jour, lui-là, il ne réussira pas. Ils ont fait même un conseil. Ils ont établi un conseil dans le but de te déstabiliser. Ils ont tout dit. Elle est comme ça. Ils ont sali son nom. J'ai tes meilleurs amis pour garder ton foyer. Ils ont tout dit de toi. Ce que tu n'es pas en dit, tu es. Ce que tu n'as pas fait en dit, tu as fait. Ce que tu as fait, on ne dit pas tu as fait. Mais ce que tu n'as pas fait en dit, tu as fait. Les gens t'acculent, ils t'accusent. Ils ont mis un point à ta destinée. C'est l'erreur. L'erreur, c'est que ta prochaine lettre sera en majuscule. Lorsqu'on met un point, la prochaine lettre en majuscule. Mariage en... Travail en... Peu importe le point qu'ils ont mis à ta destinée, Dieu se charge de mettre une majuscule. Qui me dit amen? Et maintenant, si la majuscule ne les intéresse pas, Dieu met une virgule. Il dit allons-y seulement. Qui me dit amen? Je ne te vois pas tel que tu te vois. Dis à ton voisin, j'ai une destinée supérieure. Dis ma destinée supérieure. Dis-lui ma destinée supérieure. Dis ma destinée supérieure. Alléluia. Il y a des gens pour qui on a dit, ce n'est jamais possible. Sa maladie là, ça ne guérira jamais. Voici un témoignage qui m'a beaucoup édifié. J'ai levé ma main pendant au moins 5 secondes. Parce que pour moi, ce témoignage est un témoignage qui prouve la capacité de Dieu. À quel point Dieu est intéressant. À quel point Dieu peut confondre la science et la médecine. À quel point Dieu n'est maîtrisé par aucune loi médicinale. À quel point Dieu a des valeurs et des lois qu'on ne peut pas changer, on ne peut pas modifier. Dieu est le Dieu pareil. Il reste Dieu et personne ne peut l'empêcher d'être Dieu. Dieu est Dieu. Au point du jour, nous le tuerons. Tu ne mourras pas au point du jour. Même si au point du jour, même si au jour il y a un point, Dieu mettrait la virgule au point du jour. Même si au jour les gens ont mis un point de mort, un point d'échec, un point d'incapacité, un point de fertilité, un point d'immoralité, un point d'imperfection, un point de malheur, un point d'échec, un point de chômage, un point de célibat, Dieu mettra une figure. Ce soir, il y a des figures que Dieu est en train de mettre. Tu penses que ta vie là c'est fini ici en France? Non, je dis non, je dis non.
tu n'as pas encore construit, tu ne mourras pas. Tu n'as pas encore réalisé ton palace, tu ne mourras pas. Tu n'as pas ton patrimoine, tu ne mourras pas. Tu n'as pas ton héritage, tu ne mourras pas. Tu n'as pas ta percée, tu ne mourras pas. Ce que Dieu a dit de toi n'est pas encore arrivé, donc tu ne mourras. Même si tu meurs, tu vas rencontrer celui qui rentre par la ville de Naïn. Non, ce n'est pas ton temps. Quand Dieu a sa main sur toi, peu importe les circonstances, l'atmosphère, les événements, Dieu change les événements en ta faveur. Dis, c'est mon temps. Non, dis, c'est mon tour de régner. Dis, c'est mon tour de régner. Ils ont eu une erreur. L'erreur, c'est qu'ils... La Bible déclare qu'un jour, ils ont mis Samson en prison. Et un jour, on dit, on fit Samson. On fit sortir Samson. Oh, l'erreur des gens. Ils t'ont donné une seconde chance. On dit, on fit sortir Samson de la prison. On dit, amenez-nous Samson et qu'il nous divertisse. Samson était dans le temple. La Bible déclare qu'il n'a pas cherché deux choses. Il dit, permettez-moi de toucher les deux colonnes du temple. Il a dit à un enfant, garçon, permets-moi de toucher les deux colonnes du temple. Or, vous savez que dans le temple, il y a deux piliers. Il y a un pilier à gauche et un pilier à droite. Samson ne pouvait pas toucher les deux piliers étant comme ça. Il fallait qu'il tende la main comme ça, qui était la main de la croix, pour dire, dans sa finalité, il tombe sur la croix qui permettra ce qu'il ait la victoire. On ne touche pas une croix, deux colonnes, en s'arrêtant. Il dit, permettez-moi de toucher les deux colonnes du temple. Samson fait comme ça. J'ai perdu mes cheveux, j'ai perdu mon alliance, j'ai perdu ma consécration, mais je n'ai pas perdu la croix. Je compte sur Christ, j'ai tout perdu, mais je n'ai pas perdu ma croix. Je compte sur lui. Oh, 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 oh. La Bible déclare, ses cheveux commençaient à croître parallèlement à sa force. Quand cheveux poussent, force augmente. Plus ça pousse, force augmente. Il n'avait pas eu le temps de faire cette tresse, mais c'était les cheveux qui étaient mélangés. Les gens ils t'ont connu sous une forme. Ils ont cru que tu étais fini. Parce que tu avais un peu d'argent, tu n'as plus rien aujourd'hui, on dit elle est finie. Ils t'ont connu sous une forme, tu avais un mari, tu n'es plus marié. Tu avais un enfant, il est décédé, tu n'as jamais eu d'enfant. Tu as traversé les temps difficiles, ils ont cru que pour toi était fini. Mais ils vont te connaître sous une autre forme. Qui me dit amen? La Bible dit que Samson sortit. Pour la première fois, j'ai vu un homme qui n'a pas fait palabre. Il allait déraciner les portes. Il dit, moi, je n'ai plus de palabre. Il enlevait les portes de la ville. Or, vous savez, une ville dépourvue de portes ne sert à rien. Ce qui faisait l'héritage dans une ville, dans les temps antiques, c'était les portes. Les ennemis étaient entassés partout. Samson les a vus. Ils disent, aujourd'hui, il n'y a pas de palabre. Je vais vous montrer quelque chose. Il a soulevé les portes. Je suis en train de dire à quelqu'un, palabre est fini. Dis palabre est fini. Tu vas commencer à impressionner. Quand il a enlevé les portes, les ennemis ont dit, hein? Ils vont commencer à ouvrir la bouche pour dire, est-ce que c'est lui qui est en train de partir là? Est-ce que c'est sa voiture? C'est sa maison? Est-ce que c'est elle qui a réalisé? Hein? Il dit palabre là, j'ai pris mâchoire d'âne, j'ai tué 1000 Philistins. Aujourd'hui là, j'ai arraché porte. Ce matin, on va arracher les portes. La porte de la réussite, tu vas l'arracher. La porte du travail, tu vas l'arracher. La porte de l'enfantement. La porte de la PC. La porte de la grandeur. La porte du mariage. La porte du succès. La porte. Non, je vois des portes. La Bible déclare. Samson a arraché la porte. La porte a conduit Samson où? Écoutez. Dans la vie, il y a deux choses qui font réussir. Il y a la porte et la montagne. Quand il a arraché la porte, la Bible déclare qu'il a marché 60 km jusqu'à la montagne qui est en face d'Hébron. Ce qui fait réussir un homme, c'est la porte. Il y a une porte qui te conduit à une montagne.
Lorsque tu marches à une personne qui est une porte, qui ne te conduit pas à une montagne, c'est pas une porte, c'est une fenêtre. Parce que la porte ne te met pas dans les bassesses, elle t'envoie dans la montagne. Un mariage qui t'emmène dans la montagne. Un travail qui t'emmène dans la montagne. Un travail qui te permet d'évoluer. Un salaire. Écoutez-moi bien. La porte, lorsque tu la transportes. Moi, j'ai dans la Bible, j'ai lu. J'ai compris que le pôle peut transporter trois choses. Je dirais même quatre. Dis quatre. La première chose, la Bible déclare en Ésaïe, la domination reposera où? Deuxième chose, une colonne vint et se posa sur le pôle de qui? Troisième chose, la Bible déclare qu'Abraham mit une cruche sur l'épaule de qui? Aga. Quatrième chose, Samson dit, et tous ont une histoire, il doit porter aussi la porte. La Bible, il mit la porte sur son épaule. Quelqu'un peut être pour toi une porte, mais toi tu seras son sommet. Parce qu'il a emmené la porte au sommet. Pour la première fois, j'ai vu dans ma Bible une porte qui résidait dans les sommets à cause de Samson. Les gens t'ont aidé. Ils t'ont aidé aujourd'hui à avoir un peu de quoi à manger. Ils t'ont aidé à avoir un peu tes papiers. Ils t'ont aidé. Ils ont été une porte que tu as arrachée. Mais toi, tu les conduiras au sommet. Tu les emmèneras au sommet où ils n'ont jamais vu, les endroits qu'ils n'ont jamais foulés, les territoires qu'ils n'ont jamais pensé, les endroits qu'ils n'ont jamais effleurés. Tu les emmèneras là-bas. Tu es ma porte, mais aussi ton sommet. Qui me dit amen? Nako arraché ma porte. Nako arraché ma porte. Aïe, aïe, Nako, arrachez ma porte. Je suis en train de voir des gens déchaînés. Lève-toi, arrache la porte. La porte. Cette année, même à 2 minutes de la fin de 2014, je vois des gens se marier à la fin. Je vois des gens travailler à la fin. Je vois des gens prospérer même à la fin. Hey, hey, hey. Écoute, on n'empêchera pas ton miracle. Vous savez, une porte ne se négocie pas. Elle fait quoi? Elle s'arrache. Le gars tourne toi autour de toi. Faut l'arracher. Non, on va prier. J'ai l'étudier. J'ai dit Einstein. Non, attends, il est étudiant, il n'est pas trop bien. Je vais l'étudier. Tu as devenu Einstein. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce n'est plus le temps d'étudier, ce n'est plus le temps de calculer, ce n'est plus le temps de réfléchir. Les années passent, les jours passent, les secondes passent, les heures passent, les tièces passent. Arrache la porte ce matin. Je veux des gens qui arrachent les portes. Samson a dit, palabre n'est pas bon. Arrêtons le palabre. Je vais vous montrer une autre facette de moi. Est-ce qu'on peut arracher les portes ce matin? Samson n'a pas dit, on va commencer à négocier. Il n'a pas dit, hey, je suis encerclé, j'ai peur. Quand il est sorti là, il a mis des claques, qui s'est dirigé vers la porte. Dis-moi, je me dirige vers la porte. Écoutez-moi bien, dans votre vie, il y a des choses que vous ne connaissez pas, mais il y a un principe que Dieu a établi. Il y a une porte qui est en face de toi, mais que tu n'as jamais considéré. Cet homme était près de toi, tu as ignoré. Ce travail, il était pour toi, mais tu l'as ignoré. Ce fiancé était pour toi, mais tu l'as ignoré. Le travail que tu as vu, le salaire, il était pour toi, mais tu l'as ignoré. L'enfant, il était pour toi, mais tu l'as ignoré. Mais ce matin, je veux conduire des personnes à arracher des portes. La Bible déclare qu'il a mis la porte sur son épaule. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt? Écoutez, quand tu es sur une montagne, il y a deux choses qui se passent. La première chose, si tu n'es pas habitué à la montagne, tu avais dit. La deuxième chose, ta vision change. Quand tu es en bas,
Tout ce que tu vois est grand. Mais quand tu es une montagne, ta vision devient une vision panoramique. Tu vois les choses petites. Tout ce que tu voyais comme les grands projets là, c'est petit. Voyage là, c'est petit. Les grosses voitures qu'on te parlait, c'est petit. Parce que tu es monté sur une montagne qui a changé ta vision, qui a changé ta mentalité. Non, écoutez-moi bien. Ton problème, tu vois les choses grandes. Parce que tu n'as jamais effleuré une montagne. Tu n'as jamais effleuré une montagne. Tu t'es dit pour toi là c'est trop grand. Est-ce qu'un jour je peux? Comment cela se fera-t-il? Marie dit, je suis vierge. Dieu dit, écoute-moi bien, enceinte-moi moi-même, c'est moi-même. Elle dit, je vais enfermer, mais comment ça va se faire? Elle dit, laisse ça. Depuis des décennies, j'ai ça. Tu n'as pas eu l'histoire d'Abraham. On dit qu'il était plus olympique. Hein? Abraham était vieux, avancé en âge. Quand Dieu m'a avancé en âge, ça avait dit beaucoup de choses dans la Bible. Et Abraham, on dit avancé en âge. Dieu ne parle pas de l'âge d'Abraham. Il parle de tout. Abraham n'était plus olympique. Il dit, regarde un peu l'histoire d'Abraham. Ça ne t'étonne pas? Il dit, si ça m'étonne. Il dit, pour toi, ça sera grave. Je suis en train de dire à quelqu'un, les gens ont commencé par la voie normale, mais Dieu prendra ta voie une fois anormale pour te bénir. Ils ont commencé par le naturel, mais Dieu te bénira par la voie surnaturelle. Ils ont commencé par un phénomène, mais tu passeras par le plus phénomène. Je parle du Dieu qui n'est pas maîtrisé par une loi. Qui me dit amen? On dit on va débrancher, l'enfant est mort. Et puis il dit calmez-vous. Après ça, j'ai ça. Dis mon Dieu est un Dieu puissant. Non, 2015 là, on ne va pas faire palabre. Combat spirituel, le feu, c'est fini. Non, on ne fait plus les batailles. On ne va plus combattre. Tu as trop fait palabre, il n'y a rien de palabre. Va arracher les portes. Écoute-moi bien, dirige-toi vers ta cible. Dirige-toi vers ta vision. Écoute, un homme qui rentre dans sa destinée, c'est un homme qui a une seule vision. La vision d'approcher une porte. Lorsque tu t'approches de la porte, saisis l'opportunité. La Bible déclare, écoutez-moi bien, je vais vous dire une chose. Regardez la bénédiction de Dan. Jacob bénit Dan et dit, Dan est un serpent sur le sentier, une vipère sur le chemin, mordant le talon du cheval pour que le cavalier tombe à la renverse. Quand vous lisez la bénédiction de Dan, c'est comme une malédiction. Comment moi aussi serpent? Tu as béni Jacob, tu as dit Jacob était un serpent, tout ça, moi aussi serpent. En réalité, ce n'était pas une malédiction. Dis-moi pourquoi. Dan est une vipère sur le sentier, un serpent sur le chemin, mordant le talon du cheval pour que le cavalier tombe à la renverse. Or la Bible dit, vanité de la vanité, j'ai vu des esclaves sur des chevaux et des presses à terre. Dan avait une spécialité, c'était là de rétablir l'ordre, c'était de mettre l'esclave à terre et le prince sur le cheval. Je prophétise ce matin que ta spécialité sera connue de tous. On ne te verra plus en tant qu'esclave, mais on te verra en tant que prince. Tu te lèves, tu reçois cette parole. Le résultat que tu veux avoir dépendra du changement de ton environnement. Tant que tu calculeras 2 plus 2, tu auras le même résultat. Mais le jour où tu changeras 2 plus 3, tu auras un autre résultat. Parce que, écoute-moi bien, tu as des mauvais calculs qui donnent de bons résultats. Quand Dieu calcule, ce n'est pas normal. Dieu a des calculs qui n'ont même pas les mêmes principes avec les hommes. Il te dit 3 plus 3 égale à 9. Tu as calculé ça là. C'est lui qui est Dieu. Lui dit son 3 plus 3 égale à 9. Maintenant toi tu viens ta 6. Non Seigneur. Quand je suis parti à l'école, on m'a dit 6. Lui dit 9. La Bible dit il y avait une femme qui était courbée pendant 18 années. Dit courbée. Courbée. Sa vie sur la terre, elle était courbée pendant 18 années.
Lisez un peu la vie de cette dame. Oh, la Bible déclare qu'elle était fille d'Abraham. Dis la révélation, je vais donner la révélation. Qui veut savoir? Non, il ne sait pas que tu veux savoir. Qui veut savoir? La dame était fille d'Abraham. Oh, à Abraham, Dieu a dit, ta postérité sera comme le sable de la terre et comme les étoiles. Mais la femme, depuis qu'elle vivait, elle regardait seulement que le sable de la terre, parce qu'elle était courbée. Quand Jésus l'a rencontré, il dit non, c'est pas ce que j'ai dit à ceux qui appartiennent aux filles d'Abraham. J'ai dit le sable de la terre et les étoiles du ciel. Femme, redresse-toi. On se redresse pour faire quoi? Pour voir les étoiles. Écoute-moi bien. Je te dis une chose. Le problème, c'est que tu as commencé à amorcer une seule partie de la prophétie. Tu ne l'as pas amorcé dans sa totalité. Tu regardes seulement une seule portion. En réalité, Dieu t'a donné une double portion de la promesse. Et tu es limité seulement qu'au voyage, au travail. Il y a d'autres choses que Dieu veut faire. Mais tu es encore dans le, avec le mariage. Mariage, 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 mariage. Tu regardes seulement le sable de la mer. Et tu es courbé. Tant que ton mari n'est pas venu, tu regardes seulement mariage. Courbé, 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 courbé. Et il y a beaucoup de courbés à l'église. Depuis 18 années, même le prophète a prophétisé, ce n'est pas arrivé. Parce que pour lui là, courbé, courbé, il y a seulement que le sable de la mer. Il regarde seulement qu'à faire des mariages. Oh, Dieu a dit, à faire des mariages, c'est vrai, mais je rendrai ton nom aussi grand. À faire d'enfants, là, c'est bon, mais je te donnerai aussi 7 enfants, mieux que les enfants des autres. Il y avait une femme qui avait seulement qu'un seul enfant, mais lorsque Pénina devait consulter un prophète, elle allait voir Samuel, parce que son enfant était l'accomplissement d'une grande prophétie. Écoutez-moi bien, Dieu peut donner une seule chose qui va faire 10 choses de quelqu'un. Il y a des gens qui ont tout, mais toi ton un, dis mon un, quand ça va venir, ils vont désirer ça, parce qu'ils vont se dire, mais comment tu as fait? Dieu ne regarde pas ton intelligence, il ne regarde pas ce que tu es arrivé en terminale, où tu as tous les diplômes de la terre. La promesse ne connaît pas après les papiers, oh. Promesse là, ça s'en fout des papiers. Quand Dieu veut bénir, il ne regarde pas les lois, il établit sa volonté. Vous a dit ça? Non, moi là, tant que mon mariage n'est pas là, et c'est à l'église, et puis tu es toujours à l'église, Seigneur, mon mariage, et puis tu es bien comme ça. Hein? Les bossus de l'église, les courbés, et il y a le mariage, 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 jusqu'à lui-même, là, il commence à voir barbe, la femme commence à voir barbe, elle a conne, ses hommes poussent comme un chien. Oh, vraiment. Et quand il n'est pas marié, il quitte l'église. On dit, hey, il y a un prophète qui est venu là. Lui, là, le fumeur sort dans sa tête. On va aller là-bas. Et tu vas courber, courber, courber. Les courbés seront redressés ce matin. Au nom de... Je prophétise que ton mariage qui a été courbé se redresse. Ton travail courbé se redresse. Enfantement courbé se redresse. Au nom de... Lève-toi, dis, je suis béni au nom de Jésus. Dis, on va galoper. Non, dis, je galope. Je vois des gens galoper ce matin. Je vois des gens galoper ce matin. Tu ne quitteras pas Seigneur la même personne. C'est que c'est une injustice. Celui ici qui ne sera pas béni, je vous dis c'est qui. Je le vois déjà. Dis-lui papa, dis c'est qui. C'est celui qui a le sang bleu. Oh, ma connaissance, tu n'as pas un sang bleu. Tu as un sang rouge. Donc je te dis que tu es béni parce que ton sang n'est pas bleu. Je te dis que tu es béni parce que tu n'es pas un extraterrestre. Je te dis que tu es béni parce que tu es de la même nature que Dieu. Le chrétien a un problème. Il se crée un concept d'accusation. Quand il voit une chose qu'il ne peut pas obtenir, il dit lui l'effet d'un gisement d'argent. Ça sert à quoi de dire ça? Quand quelqu'un est riche là, tu t'approches de lui pour dire, tonton, comment tu as fait? Tu dis comment tu as?
Il te donne maintenant la porte. Qu'est-ce que toi tu fais? Tu vas arracher la porte. Je veux ce matin des révoltés. Non, je veux des guerriers, des amazones, des sauvages, des fous, des malades, des zinzins. Je veux plus des gens normaux. Tu connais quelqu'un qui donne son enfant? Fils unique. Tu connais fils unique? Après lui, il n'y a personne. C'est ce que ça veut dire. Là, tu peux prendre ton fils Zagobert pour les sacrifier. Tu ne peux pas. Mais Abraham l'a fait. Quand Abraham a envoyé son enfant sur la montagne, c'est là-bas Dieu était. Donne l'enfant sur la montagne. C'est ici la montagne. Quand tu es ici, tu vois grand. Écoutez, un endroit où tu commences à voir grand, sème là-bas. Un endroit où tu commences à changer de mentalité, sème là. C'est là que Dieu est. C'est là que Dieu demeure. C'est là que Dieu habite. Voilà pourquoi quand Jacob s'est réveillé de la pierre. Vous savez pourquoi Jacob a pris une pierre pour son chevet? La Bible déclare qu'il a dormi sur la pierre. Or, Christ est la pierre angulaire. Le fait que Jacob mette sa tête sur la pierre, Christ était en train de changer sa mentalité. Lorsque la mentalité, lorsque tu es en contact avec Christ, il change ton concept. Car la Bible dit, je vous exhorte, ton frère, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, c'est agréable. Ce qui sera devant pas un culte raisonnable, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Lorsque Jacob a mis sa tête sur la pierre, Christ a changé sa mentalité. Il dit non, je ne t'ai pas fait pauvre, je t'ai fait riche. Je t'ai pas fait malade, je t'ai fait guéri. Je ne t'ai pas fait en bas, je t'ai fait en haut. Lorsqu'il a commencé à comprendre, sa vision s'ouvre, il voit des anges monter et descendre. Tant que tu n'es pas en contact avec la pierre qui change la mentalité, tu resteras dans la même pauvreté. Tu vas trouver que cela est normal et tu auras toutes les astuces pour te justifier. Un homme avec qui tu marches qui ne change pas ta mentalité, c'est pas bon l'homme. Abraham marche avec Lot. Depuis il marche avec lui là. Lot dit brebis, 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 mon argent là, mes troupeaux. Abraham a dit attends. Lui là il parle que d'argent. Dieu maintenant dit à Abraham, c'est pas toi de lui. Qu'est-ce que Lot a pris? La Bible déclare que Lot leva les yeux et regarda la plaine de Sodome qui était arrosée. L'autre n'a pas vu, mais il a regardé. Maintenant, Abraham prend une contrée qui était désertique. Dieu lui dit, Abraham, lève les yeux et vois. Nous sommes deux types de personnes. Nous sommes ceux qui regardons et ceux qui voyons. Le regard indique l'orientation, mais la vision possède l'héritage. Un homme qui regarde, c'est pour indiquer son orientation. Tu peux regarder un arbre sans voir l'oiseau. Mais un homme qui voit a dépassé la dimension du regard. Il rentre dans une autre dimension. C'est à cela que Dieu veut t'emmener. Je commence à voir ton miracle. Commence à voir ton mariage. Commence à voir ton travail. Commence à voir tes papiers. Commence à voir ta grandeur. Vois-toi grand. Ne te vois plus. Ne te regarde plus. Hey! Il y a des gens qui se lèvent le matin, qui prennent le miroir. Ils se regardent. Ils se viennent. Là, mon frère, tu se ça comme là. Tu te regardes et tu te dis, hey, avec ça, est-ce que quelqu'un peut me marier? Je ne veux pas des gens qui se regardent. Dis, je me vois. Un homme qui se voit est au-delà d'un homme qui se regarde. Parce que celui qui se regarde, c'est un homme qui se crée des limites. Or, un homme limité, c'est un homme qui n'avance pas. Mais un homme qui voit, il se crée une voie illimitée. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Lève-toi, acclame puissamment Jésus de Nazareth. Est-ce qu'on peut arracher des portes avec des bruits d'acclamation? Alléluia! Je n'ai pas entendu un bruit. Écoutez, écoutez, écoutez. Vous savez que l'acclamation m'arrache la porte. La Bible d'Israël a tourné autour de la muraille. Pendant 7 fois. On dit la muraille est tombée. Quand la muraille est tombée, c'est avec porte. Tu veux arracher la porte. Commence à imaginer ton travail que les gens t'ont volé. Imagine ton mari qui allait chez la femme au troisième étage. Ah! Et commence à acclamer pour que ces choses soient transformées. Arrache la porte.
porte, arrache la porte, arrache la porte. Alléluia. 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 Excusez-moi pour ma voix. Le Seigneur est merveilleux. Il m'a fait des miracles. Mais je remercie d'abord mes trois prophètes qui m'ont accueilli ici avec tous mes enfants. Parce qu'avec eux, j'ai appris beaucoup de choses. Et c'est grâce à eux que j'ai eu des miracles. Jeudi dernier, pendant qu'on était ici, j'étais en train de faire ma prière. Parce qu'ils m'ont même appris à prier. Amen. À parler à Dieu. Je ne savais pas qu'il fallait parler à Dieu. Yes. Comme je vous parle là. Amen. Mais je lui parle. Et il m'écoute. Amen. Jeudi dernier, on était là. Je priais. Je lui parlais. Et pendant que je priais, mon fils aîné, qui ne vient pas ici, lui, il est chez les catholiques. Il est cloué là-bas. Il était en train de me téléphoner. Je n'ai pas pris mon téléphone. Je suis rentré à la maison. Je dormais. Le téléphone a sonné. J'ai pris le téléphone. Maman, maman, tu étais où? J'ai dit, quoi encore? Qu'est-ce qui ne va pas? Maman, j'ai eu quelque chose qui me dépasse. Toute la nuit, je n'ai pas dormi. Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait un rêve de tonnerre. J'ai rêvé, j'ai vu trois messieurs devant moi, habillés en blanc. Mais ils avaient caché leur face. Ils se sont mis à me tabasser. J'ai lutté contre ces trois messieurs-là. Et ma femme était couchée à côté de moi. J'étais dans les rêves, mais je luttais. Après, il s'est réveillé. Quand il s'est réveillé, il a prié. Et après, il s'est endormi. Il s'est endormi. Il a repris le même rêve. C'était toujours les mêmes personnes qui le poursuivaient. Il courait, il courait. Il a vu l'inondation devant lui. Il est tombé dans l'eau. Il a commencé à nager, nager, nager. Ils étaient derrière lui. Pendant qu'il nageait, il sort. Il va vers chez ma maman qui est morte depuis plus de 30 ans. Il va là-bas. Il arrive chez ma mère qui n'est plus là. Il voit un poteau électrique qui a pris feu. L'incendie partout. Et quand les trois messieurs ont vu l'incendie, ils ont pris fuite. Et lui, il a fui. Il est parti dans la maison de sa grand-mère. Il s'est caché là-bas. Et il s'est réveillé. Il a eu peur. Il a eu peur. Il a eu peur. Il s'est mis à prier, à prier, à prier. Je lui ai dit, remercie le Seigneur, mon fils. On est sauvé. On était en prison. J'ai demandé à Dieu de nous libérer. Il nous a libérés. Amen. Donc le Seigneur est merveilleux. Dans tout ça, c'est le cœur. Mon cœur. Mon cœur. Ayons les cœurs transparents. Le cœur transparent. C'est ça qui me sauve. Parce que j'ai un cœur transparent. Je suis rentrée en Europe en l'an 2008. Mais je suis rentrée par l'Italie. Et j'ai eu les documents italiens. Et c'était tellement difficile là-bas. J'ai ma soeur qui est à côté là, qui m'a dit de venir ici pour qu'on puisse voir ensemble comment je peux m'en sortir. Et je suis arrivée chez elle.
Je suis venue avec les documents italiens, mais ici, quand je cherche du travail, on me dit non, qu'on ne peut pas travailler avec. Donc, elle a dit, bon, on va chercher une promesse d'embauche et puis tu vas aller au niveau de la préfecture pour voir si on peut t'échanger de statut pour que tu puisses travailler ici. Et c'est comme ça qu'on a fait les démarches. Donc, le 17 novembre, j'avais rendez-vous. Et avant ça, nous sommes venus. J'ai eu d'abord deux rendez-vous. Le premier rendez-vous, quand je suis partie, la dame qui nous a reçus nous a dit, vraiment, ces documents que vous amenez ici, là, sur 9, il y a un qu'on prend. C'est l'Union européenne qui dit non, c'est comme ça. Donc, j'ai commencé à avoir le cœur vraiment battant et je me suis confiée à Dieu. Et le dimanche avant, quand nous sommes venus à la prière, je suis venue avec tous les documents que j'avais réunis. Et puis, j'ai vu papa Fernand. Je lui ai dit vraiment, impose la main sur mes trucs. Il dit, il y a quelque chose. Il dit non, j'ai un rendez-vous à la préfecture. Et dans la foulée, il a prié. Et quand nous sommes arrivés, j'ai déposé les documents et ils m'ont donné le récépissé des 6 mois. J'ai décidé de vous dire mon témoignage parce que je veux que vous dansiez à la gloire de Dieu. Amen. Parce que Dieu, il est grand, il est bon, il n'y a pas de nom. Amen. Mais ça fait 2 fois que je viens, je dis merde, c'est quoi ce truc? Mon Dieu, il a opéré un miracle vivant dans ma vie. Donc, quand j'entends l'envers, il n'y a qu'à traîner partout. Mais vous êtes là, vous êtes assis, vous ne bougez pas. Je vous dis ce que Dieu a fait pour moi. Peut-être que ça va vous donner la force, ça va vous pousser un peu. Amen. Mon fils, il avait 12 ans. J'étais avec lui à la maison, il dit, il est malade. Je suis allé partout. Je ne voyais pas. Quand il dort comme ça, on a l'impression que c'est un train qui freine. J'ai une amie qui me dit, amène-le à l'hôpital Trousseau. Je dis, ok. Je suis arrivé à l'hôpital à 15h. Ils l'ont pris à 18h30. Vous savez ce qu'ils m'ont dit? On me dit, il a un cancer. Soit il a cancer ou tuberculose. Et puis l'autre, les deux sont pas bons. Cancer ou tuberculose, les deux, c'est mauvais. J'ai fait funérailles bêté. Je suis bêté. Hein. Les blancs même m'attrapent, même, je vais tuer. Le même jour, ils l'ont pris. Ils ont enlevé 2,5 litres d'eau dans ses poumons. C'est dit que je l'ai amené à l'hôpital vendredi. Si je restais avec lui jusqu'à dimanche, il est mort. Quand je suis arrivé là, 2,5 litres d'eau dans ses poumons. En vain, ils vont me dire ce qu'il a. 3 jours après, on me dit, il a un lymphome de Burkitt. C'est le nom de quoi? Lymphome de Burkitt, je n'ai jamais entendu. Elle me dit, il a un cancer. J'ai dit, ok. Moi-même, ils ont fait examen sur moi, il n'y a pas cancer. Mais mon enfant qui a 12 ans, qui n'a jamais fumé, qui n'a jamais bu, il a cancer. D'accord? C'est dans la main de Dieu. Je le laisse à l'hôpital, dimanche, à l'église. Il danse pour Dieu comme ça, même André, il n'est pas malade. Je retourne à l'hôpital avec lui. J'ai fait 1,5 an à l'hôpital Trousseau. 1,5 an. Ils ont enlevé sa rate. Parce que sa rate était atteinte. On ne pouvait rien faire pour ça. Il fallait qu'on l'enlève. Ils m'ont dit, ben, il faut bien qu'on l'opère. J'ai dit, c'est dans la main de Dieu. Ils ont fini d'enlever sa rate. Ils m'ont dit, non, il y a un ganglion qui est cancéreux au niveau de ses poumons, il faut qu'on opère. Il dit, Seigneur, c'est toi. Ils ont qu'à enlever. Le jour où ils ont enlevé sa rate là, j'ai gêné 21 jours là, moi-même, je ne me prendrai rien. Je suis dans la chambre avec l'enfant. Vers 23h, minuit moins, il y a une infirmière qui arrive, elle veut changer mon fils. D'accord? Pour le changer, elle me dit, c'est bizarre, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est dehors, qui regarde. J'ai dit, Seigneur, quelqu'un dehors qui regarde ici, ok, il n'y a pas de problème, on est dedans. Moi, ici, là, moi, là, je sais à qui je crois. Je crois à Dieu. Il dit, nul ne peut le glorifier au séjour des morts. Moi, je suis vivante, moi, je ne suis pas encore morte. Donc, je suis à lui. Dès qu'elle est sortie, il y a un vent qui est rentré dans la chambre. Les draps de l'enfant même volent comme ça. J'ai tout rangé, je me suis couchée.
c'était jeudi, là on venait à peine d'opérer. Dès que jeudi matin à 7h, j'ouvre mes yeux, les médecins sont entourés, mon enfant. Et puis j'entends maman, maman, j'ai dit mais tu là ils font quoi là là? Je me réveille, il me dit maman je te vois pas, il dit tu me vois pas où? C'est-à-dire honnête, tu me vois pas pourquoi? Tu vas me voir. Le même jour là, le cœur de mon enfant s'est arrêté pendant 14 minutes. Comme dans le film, ça fait il dit d'accord. Les blancs disent madame, il dit vous, vous savez de moi vous parlez? C'est ce qu'il va vous montrer, il dit. Funérail bété plus Dieu mélangé tout pour vous donner. Ils me disent non. Son cœur a arrêté. Il dit, cœur de qui? Dieu n'a pas encore dit. C'est quand Dieu va dire là que j'ai accepté. Mais pour le moment, il n'a pas encore dit. Amen. C'est arrêté pendant 14 minutes. Je dis, ok. Ils l'ont pris, il dit, en réa. Ils l'ont amené en réanimation. Arrivé en réanimation, il est tombé dans le coma en même temps. Je n'ai pas mangé, je n'ai pas bu, je n'ai rien fait. Il dit, toi, Dieu, là. Moi, je ne sais pas. Hein. On dit, tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui bénit. Tu es le Dieu qui réveille les morts. Je veux voir ta main. Tu dis, là où la main de l'homme s'arrête, c'est là où ta main commence. Seigneur, la main des médecins se sont arrêtées. Je veux voir pour toi. Dans ta parole, tu dis demandez, je vous donnerai, Seigneur. Moi, je t'ai demandé, je veux voir. Moi, je veux voir ta main. Les médecins, là, les mains arrêtées pour être finies. Toi, tu es Dieu. C'est pour toi, je veux voir. Ils me disent l'enfant est tombé dans le coma. J'ai dit que s'il ne se réveille pas lundi, on débranche. J'ai dit voilà. Eux-mêmes, ils ont donné date. Toi, c'est toi qui augmente les dates, c'est toi qui diminue. Augmente pour moi. Amen. Quand ils arrivent, je suis là, je prie, je pleure, ils me disent, et pourquoi quand même dormir un peu, hein? Ça commence pas bien faire. Il dit, ça c'est vous qui avez dit, moi je n'ai pas encore fini. Quand ils me réveillent à 7h du matin là, je n'ai pas belle voix, hein? Mais si c'est danse là, ça c'est ma spécialité. Mais quand je commence à chanter là, les médecins là ne peuvent pas me parler parce que je suis violente. Je ne respecte pas quelqu'un quand je suis comme ça. Il me dit, madame, je dis, et alors, je fais ce que je veux, c'est mon droit. Si vous ne voulez pas que je foute la merde, ben soignez-le. Et puis on sort de là, c'est bon, vous ne me verrez plus. Il me dit, oula, franchement, elle, hein. Moi, j'ai pris Dieu sur moi. Le dimanche matin, il dit, Seigneur, toi, tu es quel genre de Dieu? Toi, toujours, toi, tu es quel genre de Dieu? Moi, je veux voir ta main. Parce que tu as dit dans ta parole, si ta parole est vérité, je veux voir ta main. Quand il est tombé dans le coma, là, tellement ils ont piqué que toute sa main ici est brûlée. Mais on va attendre, on va réveiller d'abord, on va guérir, brûler, là, c'est rien. J'ai prié Dieu, j'ai parlé à Dieu, j'ai parlé à Dieu dans tous les sens. Vous savez ce qui est arrivé? Dimanche à 16h, je suis fatigué jusqu'à ce que je dors. Et puis je vois mon enfant qui bouge comme ça. Il dit, il a bougé. Les médecins viennent et puis me dit, c'est dans votre tête. C'est-à-dire, vous voulez tellement qu'il bouge que votre circonstance, vous croyez qu'il a bougé. Il dit, Seigneur, il te traite de menteur. Il dit, Seigneur, il dit ce que tu mens. Il n'est pas réveillé. Il dit, madame, je dis, vous avez dit que Dieu est mort. Il dit, oh là là. Il me dit, d'accord, d'accord, on verra. Je me suis engenouillé, j'ai prié, il dit, Seigneur, tu es le Dieu qui bénit, c'est non suivi d'un aucun chagrin, d'un aucun châtiment. Quand tu bénis, il n'y a pas fait de Dieu à bénir, mais quand tu bénis, tu as béni. Seigneur, fais de toi ce qu'eux-mêmes, ils peuvent dire que tu es Dieu. À 16h30, mon enfant s'est réveillé, puis il dit, maman. Les médecins même ne croient pas. Il me dit, je dis oui, Dieu a béni. Il dit, ben franchement, vous priez quelqu'un. Je dis non, je ne prie pas quelqu'un, je prie Dieu. Ah, Dieu, c'est quelqu'un. Amen. Ben d'accord, ben on va. Il me dit, on va attendre un peu pour débrancher. Il dit, débrancher tout.
débranché. Dieu a guéri. Il dit débranché. Il me dit, vous êtes sûr? Je dis, je prends la responsabilité. J'ai foi en Dieu. Débranché. Ils ont débranché mon enfant. Tout. Il me dit, mais on va quand même faire les derniers examens. Je dis, ok. Ils ont fait examen lundi. Ils se réveillent dimanche à 16h. Ils ont fait examen lundi. Mardi, il n'y a plus de cancer. Cancer. Il me dit, mais c'est une maladie maligne, elle peut revenir, elle peut ne pas revenir. Il dit, la bénédiction de Dieu n'est suivie d'un aucun chagrin, d'un aucun châtiment. Amen. Quand Dieu bénit, Dieu bénit. Amen. Il me dit, non, la greffe de peau, il faut 5 jours pour prendre. Si ça ne prend pas, on va couper la main. Il dit, Dieu a dit, il n'a pas dit. Si Dieu a fait qu'il n'y a plus de cancer dans son corps, ses bras, ils vont couper, on ne coupe pas bras. Quand ils ont fait les greffes de peau, ils ont pris la peau sur sa tête. Ils ont fait greffe de peau. En 3 jours, ça a pris. Là où je vous parle, là, mon enfant, il a 20 ans. Il n'est pas tombé malade jusqu'à ce jour où je suis arrivé devant vous. Donc le Dieu qu'on prie là-bas, c'est un Dieu vivant. Mais votre pensée à la place de Dieu. Agis dans ta vie. Qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? Si Yahweh agit dans ta vie, qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? Si Jésus agit dans ta vie, qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? Alléluia! Agit dans ta vie, qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? Alléluia! Soyez bénis. C'est pas facile, oui. Moi, le premier jour, j'ai mis pied dans cette église. J'ai été invitée par une amie qui se nomme la liseuse Sabine. Et ce jour-là, quand j'ai mis mon pied ici, je me suis j'étais assise là. Et la maman, là, je ne savais même pas que c'était la femme du prophète. Elle a commencé à chanter et j'ai commencé à pleurer en fait. J'ai commencé à pleurer. En fait, moi, j'ai été libérée par sa voix. Amen. C'est pas papa qui m'a, il m'a pas posé de main, mais cette femme-là, c'est pourquoi je l'ai pris comme témoin de mon mariage. Amen. Parce qu'elle a opéré beaucoup de miracles dans ma vie. Même jusqu'à aujourd'hui, quand elle chante, je ne résiste pas. Et maintenant, avec le temps, ça a commencé à passer. Et c'est comme ça, après, papa, j'étais assise, il m'a dit, après, tu cherches à me voir. Et je suis allée vers lui, je me suis mise là, et il a dit, tu es mariée? J'ai dit non. Bon, j'étais là, je l'ai regardé, il dit, tu n'es pas encore mariée, tu n'es pas encore allée à la mairie, mais tu vas aller à la mairie bientôt. J'ai dit, oh, bon. J'étais là. En tout cas, il m'a dit beaucoup de choses aujourd'hui, qui tout est réalisé en fait. Tout ce qu'il m'a dit... Tout ce qu'il m'a dit, tout est réalisé. Je peux parler. En fait, il m'a dit beaucoup de choses qui se sont réalisées. Et je n'étais même pas encore mariée. Il m'a même parlé du cadeau de mon mariage, Amen. Qui est une maison. Amen. Et vraiment, je lui dis merci. En fait, tout ce qu'il a dit de ma vie, tout est réalisé. Donc, je suis là pour dire merci à Dieu. Et vraiment, ce monsieur, il n'y a pas l'homme pour lui. Tout ce qu'il vous dit, vraiment, ça se réalise. Donc, voilà.